à toutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de juin. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juillet 2024. On va tout de suite découvrir quel signe astro veut parler. Alors avant toute chose, Saturne et Neptune rétrograde depuis fin juin, donc le 29, Saturne a rétrogradé. Et là, cette semaine, Neptune rétrograde, donc première semaine de juillet, dans le signe des poissons. Alors clairement, on va revisiter ce pour quoi on s'est battu, ce qu'on a appris, hein, le, on va dire les leçons karmiques, les bagages de mamie qu'on va déposer sur le quai qu'on va oublier pour prendre le train du bonheur. Voilà, pour prendre le train en tout cas de quelque chose de meilleur, puisque Saturne euh, nous permet vraiment de conscientiser tout ce qui a été fait étape par étape et neptune nous permet d'avoir un petit point de réalité on va dire la pleine lune en capricorne donc fin juin a déjà fait ce petit point de réalité je vous renvoie à la vidéo sur la pleine lune en capricorne et on verra pour la nouvelle lune en juillet et eh bien les bases qu'on va poser en attendant qu'elle signe veut parler alors vierge il me semble oui vous êtes là alors vierge Ascendant vierge, lune en vierge, ou si vous avez le signe de la vierge dans votre thème astral, bien sûr que cette guidance est faite pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message Persévérer, très bien, très joli. Euh, cette carte, oui, connaissance sacrée. Alors, il y a des choses qui viennent à votre conscience, j'ai l'impression. Je me souviens de votre guidance du mois de juin. Ce n'est pas courant que je me souvienne comme ça de guidance, mais en tout cas euh, dans celle que vous avez eue, alors il y en avait une qui était marquante, c'était en novembre 2021, je crois. C'était euh, voilà, dans ces eaux-là. Et il euh, y avait euh, voilà, j'avais eu pas mal de témoignages de votre part euh, parce que c'était euh, vraiment très fort hein, comme, comme guidance. Et celle du mois de juin avec une amélioration. Que j'ai jamais autant ressenti chez vous. Voilà, de, depuis que je fais les, les guidances, hein, je veux dire, après, je n'ai pas euh, non plus un visuel sur tout ce qui se passe. Sinon, je suis l'œil de Moscou ou Dieu. Mais non, ce n'est pas le cas. Mais voilà, ça faisait vraiment plaisir à, à ressentir, en tout cas, et à canaliser pour vous. Ah, la lune, l'âme. Alors là, j'ai vraiment la sensation, vous allez écouter plus. Oui, voilà, bon, bah, Pluton transformation, allez je la garde, et le Dodec nous parle d'équilibre, alors le Dodec nous parle aussi de ce qui se passe dans le nœud sud, hein, puisque le nœud sud est dans le signe de la balance, et on a euh, Lilith, la lune noire, donc tout ce qui est sale, familial, interdit, tabou, euh, immoral, qui est en train d'être traité, euh, donc là, c'était entre votre signe et le signe de la balance. J'ai vu deux choses différentes, donc j'éviterai de me prononcer là-dessus. Mais j'ai vraiment la sensation là que vous êtes en train de libérer, lâcher. Euh, on a du 11, on a du 2, donc bah, 2. Et là, 1 plus 1, 2. Alors peut-être que vous voyez beaucoup de 122, 11, 11. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend Alors l'ermite euh, mi-fig, mi quand même. Ok, um, je vais éviter de l'analyser de, de la, de tout de suite. On va prendre des informations complémentaires pour celle-là. Euh, un besoin que ça bouge, j'entends un besoin de, de, de faire quelque chose de significatif. Voilà, déjà en médiumnité, c'est ce que je, je vois là. Et on a deuxième lame majeure au niveau du sentimental très bien, très puissant. Au niveau développement perso, pour les amis du signe de la Vierge au mois de juillet 2024. 8 de denier. Ok, As d'épée, ah, vous avez quand même une vision, euh, vision claire, mais attention à la tunnel vision, hein, c'est-à-dire le, le côté obnubilé, il faut absolument que ça se passe comme ça, là on a l'esprit clair sur quelque chose, ouais derrière une... il ouais, y a une envie de bouger quand même, alors ce qui est assez drôle, As, bon celle-là elle compte pas, 8, 8, derrière on a quoi, le 3, il y a une envie d'équilibre, il y a une envie d'équilibre de... Oui, de... avec le signe de la balance, mais il y a surtout une envie... De... Hey, de couper avec quelque chose d'actuel. Euh, C'est-à-dire d'une situation qui pouvait ne pas bouger, qui, ne pou... qui pouvait ne pas avancer. Là, vous avez l'arcane sans nom, le 10. Ouh Ah oui, ben, c'est confirmé, vous quittez du lourd, de toute façon. En fait, ce que je vous ai dit au mois de juin se retrouve ici. Ce que vous quittiez déjà au mois de juin se retrouve complètement là-dedans. Maintenant, il y a la sensation d'un équilibre entre le vous savez cette carte elle, elle est je, je trouve le message très joli qui pourquoi elle s'appelle la renaissance et elle porte bien son nom dans votre cas parce qu'en fait on a le chameau alors je ne sais pas si c'est un chameau un dromadaire parce que j'ai pas la deuxième bosse donc je peux pas me prononcer mais en tout cas on a donc cet animal du désert qui est assez résilient dans le sens où il prend tellement sur lui euh, c'est un animal qui euh, euh, J'entends la privation d'eau comme si vous aviez mis vos besoins tellement de côté que vous étiez persuadé de ne pas en valoir la peine. Et euh, voilà, d'être passif. C'est la passivité, c'est la. Euh, je dirais même l'acceptation de l'inacceptable avec euh, cette carte. Et puis, on a un jour cette rébellion avec le lion, rébellion, voilà, rebelle et lion, qui dit Non, mais stop, zut, flûte, crûte. Tout ce que vous voulez en hutte, mais en tout cas, c'est plus possible. Donc, on a le passif du oui, oui, euh, oui, bon, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça. Puis ensuite, non, mais non, en fait, ça n'a pas allé. Et puis là, un enfant au milieu qui émerge de ce lion qui est lui-même sorti du chameau, qui en a eu ras-le-bol au bout d'un moment. Et puis, cet enfant qui lui trouve le juste milieu. Et j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui que vous avez déprogrammer hein, certaines croyances, notamment euh, tout ce qui va être euh, par rapport. Vous savez même un truc tout bête, mais je, je l'entends euh, des fois, c'est quotidiennement. Euh, J'ai des natifs du signe de la Vierge, on va dire euh, dans mon environnement très très proche, et des fois j'entends oui, mais tu sais, moi je suis euh, du signe de la Vierge, alors je suis comme ça. Moi, vous m'entendrez pas dire ouais, mais parce que je suis Gémeaux, je suis ceci. Non. Je suis humaine, je fais de mon mieux. Voilà, c'est ce que je dis comme ça. Il y a zéro croyance négative, ou en tout cas pas de croyance handicapante ou on va dire clivante qui me m'enferme dans un rôle, dans une boîte, dans une dynamique relationnelle, etc. Là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait vous avez pris conscience que si vous n'aviez pas le bon environnement, vous ne pouviez pas faire différemment que de d'être calqué sur cet environnement. Euh, vous savez, j'ai euh, en plus j'en parlais hier en parlant de Marie-José Pérec. Alors euh, je vous fais pas un, un topo sur sa vie, je pense que tout le monde connaît au moins deux noms, donc une sportive qui faisait du 400 mètres je, je vais pas dire je la connais bien mais elle a été mon modèle pendant des années puisque j'ai euh, appliqué la même discipline et un jour je lui ai fait la bise, je lui ai dit c'est bon <laughs> elle m'a dit de quoi, je lui ai dit non mais c'est bon ça y est je vous ai fait la bise, c'est bon j'ai rempli un rêve, enfin j'ai voilà. concrétisé un truc qui était très important depuis toute petite fille donc voilà on a échangé à l et euh, ce qui était déplorable dans son cas, c'est que, étant une des meilleures athlètes euh, en vie, encore en vie, on va dire, euh, n'ayant pas eu le bon staff, elle n'a pas pu aller ou, en tout cas, pérenniser sa carrière de façon, je dirais, adéquate à ce qu'elle pouvait promettre. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, je referme la parenthèse, mais il y a vraiment ce côté, euh, comme on dit, on peut être très doué. Mais on n'ira pas bien loin si on n'a pas le bon équipage, si on n'a pas le bon, euh, euh, le bon environnement. Euh, vous pouvez être euh, très optimiste, mais imaginons que tous les jours euh, vous allez euh, vous avez quelqu'un en face de vous qui est là. Oh là là, il pleut aujourd'hui. Oui, bah prends un parapluie. Oh non mais euh, après c'est lourd, tu vois, à porter... Euh... Voilà, voyez, rien que ça, ça peut être cette euh, dynamique-là qui est aliénante, ça peut être aussi, aussi votre mental, euh, votre bagage de base, on va dire, c'est-à-dire bah, le modèle dans lequel vous avez été euh, familiarisé, hein, baigné depuis l'enfance, et finalement, il y a ce côté, ouais mais non, c'est quoi là, ça, c'est terminé, donc maintenant, il a fallu s'acclimater, et je pense que vous êtes encore en plein dedans étape par étape je m'acclimate à cette nouvelle version de moi. Alors c'est typiquement ce que j'explique euh, par exemple dans le programme Glow Up, puisque étape par étape, il euh, y a 30 étapes, hein, 30 jours, 30 étapes, je vous emmène justement à conscientiser, à avoir des, des exercices, des libérations, des protocoles, des... Voilà. Donc quel que soit le domaine bien sûr. Ici on a quand même trois lames majeures. Donc là, je pense qu'au mois de juillet, la persévérance, elle vient du fait que vous êtes en train. En fait, j'ai envie de vous dire parlez-vous comme un nouveau-né. Parlez-vous comme. Euh, vous n'allez pas dire à un nouveau-né. Euh qui ne sait pas encore marcher, mais il marche, tout le monde sait le faire, mais qu'on celui-là. Enfin, vous voyez, non, vous allez dire, oh, il essaye, il fait de son mieux, c'est adorable, regarde, c'est instinctif, c'est magnifique, c'est merveilleux. Moi, je me souviens d'ailleurs, mon petit frère du signe de la Vierge, ses premiers pas, j'avais balancé en fait son lapin, euh, son doudou à travers, euh, bon, la pièce n'était pas immensément grande, et en fait, je jouais avec lui et je lui avais dit, bah, va chercher. Et en fait, euh, je m'en souviendrai toujours, il s'était levé. J'étais là, oh Sauf que j'étais euh, seule à le garder. Je le babysitais. Mes parents n'ont donc pas vu ses premiers pas. Et c'est un peu la tradition familiale, puisque moi, personne n'a vu mes premiers pas. Euh, ma mère m'avait laissé sagement avec un livre. Voilà, elle avait sécurisé et tout. Et puis, elle se retrouve avec moi derrière elle qui, euh, qui tire son tablier en disant euh, Bah là, faut que tu me. Tu m'accordes de l'importance. Voilà, donc euh, c'était la première fois. Et elle est sûre que je n'ai pas euh, été à quatre pattes puisque j'étais visiblement assez bruyante. Voilà, bon c'est l'anecdote. Allez, comme ça, vous en savez un peu plus sur moi. Concrètement, cette ermite, avec euh, tout ce... Voilà, maintenant, j'ai un peu mieux de... Vis... Enfin, j'ai un peu plus de visuel sur la table. Moi, je dirais que vous cherchez à casser. C'est un peu comme si vous disiez... L'apprentissage est terminé, maintenant il faut que je le mette en pratique. Pour moi, pour certaines personnes, là où vous êtes, vous ne vous plaisez pas. Donc vous cherchez justement, euh, dans le développement personnel, euh, on a le 8 de denier, à mettre en place progressivement et au quotidien, voilà, des petits ajustements qui permettront de sécuriser avant de passer à l'action. Mais pour moi, là, au courant du mois de juillet, certains d'entre vous vont initier les changements nécessaires. Alors j'ai dit que je voulais des cartes supplémentaires, les voici. Donc on va prendre un deuxième rider weight, enfin le rider weight officiel. Alors, qu'est-ce qu'on a Et elle est tombée comme ça. Ok. 4 de coupe. Ah, très bien. Alors, oui, ah. il y a une envie de bouger, il y a une envie de, de démarrer quelque chose de nouveau. Ou de changer un peu d'air. Vous voyez, j'ai ça. J'ai... Euh, oui, euh, oui, avec le cavalier d'épée. Euh, maintenant, il y a plutôt le côté... Euh, maintenant que j'ai trouvé, je suis dans cette entre deux. Allez, on va la mettre comme ça parce qu'elle est vraiment bien aspectée cette carte d'ermite. Euh, on a un cadre de coupe renversé. Le cadre de coupe renversé, c'est euh, on va dire les perspectives qui reviennent. Donc, ce feu intérieur. Vous savez, quand on retrouve un peu d'enthousiasme, euh, on se lève plus facilement. La fatigue a l'air d'être moins prégnante parce qu'on on a en fait ce euh, comment dire, ce carburant intérieur qui est l'enthousiasme. Avec le valet de bâton et le cadre de coupe renversé, il y a une perspective. J'ai l'impression que c'est grâce au reste, vous voyez Et au niveau professionnel, c'est pour certains, c'est pas encore la joie, mais c'est déjà la joie parce qu'il y a une idée. Il y a une idée, il y a une, une source derrière. Cette source, elle vient du fait que vous avez pris une décision. Alors, peut-être de déménager en vous disant bah, de toute façon euh, le reste viendra mais c'est vraiment important que je change d'environnement parce que là je suis en pleine renaissance et il y a des choses qui ne correspondent plus. Vous voyez c'est un peu comme quand on fait un tour sur sa garde-robe et on se dit oulala mais le style des pattes def, là euh, moi ça me fait encore tout bizarre je vous avoue que ça me fait vraiment un, une silhouette chelou donc par exemple si là je trouvais des pattes d'eff euh, je les mettrais sur Vinted ou je les donnerais à mes nièces parce que je crois que ça revient un petit peu, enfin bon, bref, donc là c'est un peu, voilà, là il y a des choses qui ne correspondent plus, donc je fais le nécessaire pour libérer, et il y a surtout ce côté, euh... ouais je me sens mieux, alors j'ai même envie, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais euh, cela dit je commence, hein. j'ai tourné euh, Gémeaux-Lyon-Cancer, et donc là vous, et euh, ce qui est assez drôle c'est qu'il n'y a que les signes, euh... Là, on a printemps-été qui est sorti. Donc euh, voilà, bon, bref, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Alors, on va, on va lui demander à lui. Et ben voilà. Oui, donc c'est confirmé. Il y a effectivement... Alors, il y a peut-être ça qui vous motive parce que ça a voulu ressortir. Ici, dans le contexte, effectivement, se déleste. Euh, du quand dira-t-on, du non, mais reste, c'est comme nous, hein, la vie au village, c'est très sympa, alors que vous, il y a quand même une envie euh, d'explorer de nouveaux horizons. C'est-à-dire que là, vous, c'est comme si vous disiez, mais pourquoi me limiter à rester ici hein, euh, Puisqu'on a quand même l'arcane sans nom ici, hein, qui va représenter euh, le signe du scorpion. La maison 8 et Pluton. Et vous avez ici Pluton, la transformation. Donc il y a effectivement cette coupure avec une dynamique. Et on a Gémeaux Scorpion en plus. Voilà, Gémeaux Scorpion. Et c'est cette carte-là qui est sortie. Euh, des cartes de terre, donc des cartes... Nourricière, des cartes fertiles euh, qui parlent d'un projet. Voilà, on veut se rapprocher de quelque chose de pur, de simple. Là, on a Saint François d'Assise, mais on a surtout le côté j'ai envie de quelque chose euh, de léger, de frais, de joyeux, de quelque chose. Euh... Alors, c'est peut-être un changement de métier. Voilà, un changement de métier aussi. Hein. Si c'est pas un changement d'endroit. Ça peut être un changement de métier pour certains certaines, euh, peut-être euh, voilà d'être plus proche de la nature ou des animaux. Hein. Ça peut être de changer de localité, euh, changer de train de vie aussi. Par exemple ici, on pourrait avoir plus de gratitude, ce que permet par exemple le slow life en style de vie. Voyez, donc ok, on la garde et on va continuer maintenant pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît Donc on... déjà on a le maître. Alors le maître, il est dans ce jeu entre euh, le, le monde est le fou. C'est-à-dire que c'est vraiment cette compréhension, cette sagesse, ce discernement et surtout la maîtrise. Vous voyez, le maître, le mot-clé, c'est la maîtrise. C'est-à-dire maintenant, euh, entre l'ermite et le maître, il y a beaucoup de sagesse, comme si vous aviez aussi acquis une forme d'autonomie au niveau décisionnel, au niveau de vos décisions, au niveau de vos actions, au niveau de vos pensées. Hein, euh, moi à chaque fois je vois Dumbledore, je suis désolée mais on n'enlèvera pas de la tête que c'est lui en vrai et pas Gandalf parce que Dumbledore a une barbe plus longue. Voilà, c'est dit, mais non, il a aussi un, un comment dire un, un regard euh, je sais pas. Voilà, bon moi je, je pense à, à, à Dumbledore justement et pas à Gandalf. Gandalf c'est un autre. Donc cette, cette sensation de d'être prête, d'être prêt. D'avoir les épaules pour... Euh, oui, après un 10 d'épée. Alors il y a eu... Ah, eu la majeure. Le battleur. Ouais, c'est ça, c'est la conscience que vous avez tous les éléments en main. Et je pense qu'il y a eu une, ouais, une épreuve karmique au niveau de la famille. Voyez, on a deux fois du 10. Donc si on le ramène à 1 plus 0, eh bien on a du 1 du battleur. Voilà. Donc euh, pour la logique, fin de cycle. Entamé, vous êtes dans le nouveau. La nouveauté. Ici, le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est la même, d'accord. Donc euh, on a effectivement une confirmation que vous avez passé un cap. Moi, je pense que à avoir écouté les autres. Ce qui explique d'ailleurs, hein, je, je l'ai dit ici. On quitte hein, euh, ce qu'on a l'habitude de faire ou ce pourquoi on a été programmé. Hein, C'est un peu comme si euh, toute votre vie. Alors je suis désolée pour les références. Non, je suis pas désolée pour les références cinématographiques parce que je vous en donne quand même des assez sympathiques à revoir éventuellement. Mais là pour le coup, euh, je pense à Keanu Reeves. Qui est du signe de la Vierge en plus, donc vous avez un beau représentant, bel humain, très bel humain. Lui, il est là-dedans, hein, je vous le dis direct. Je, pour moi, c'est une vieille âme qui a nourri, Je pourrais faire une vidéo là-dessus, d'ailleurs, une vidéo complète sur lui, tellement je j'aime je, je, à croire que des gens existent, des gens comme lui existent, voilà. Et il se trouve qu'il est du signe de la Vierge, comme Tom Hardy. Regardez son rapport aux animaux, Tom Hardy, qui est du signe de la Vierge aussi. Bref, et on a ce côté Thomas Anderson, un hein, Tom Hardy, Tom, Thomas, Thomas Anderson, donc Neo dans Matrix, et c'est vraiment cette programmation. Donc au début, il lutte. Vous hein, voyez quand euh, Morpheus commence à l'entraîner, euh, il lui dit "T'es encore conditionné. D'ailleurs, la pilule bleue, pilule rouge, c'est est-ce que tu acceptes maintenant une nouvelle réalité On va te déprogrammer. Tu ne, tu dois désapprendre pour réapprendre. Donc en fait." Euh, il perd tous ses repères. Et en fait, j'ai vraiment... Je pense que ce sera intéressant euh, de regarder la vidéo, alors la première partie de la vidéo, devrais-je dire, parce que là, ça, ça, ça pourra avoir une résonance avec ce que je viens de dire, de Matrix, euh, de Damien Maya, pardon, Damien comme Damien, et Maya comme Maya, Damien Maya sur Matrix, et puis euh, d'avoir vraiment peut-être de se re-regarder la... Alors maintenant c'est une quadrilogie, il y a, il y a un cinquième euh, film qui va sortir, mais les, au moins le premier, juste le premier, est de voir cette transition, c'est-à-dire Neo qui accepte finalement sa nouvelle condition, ce, son nouveau rôle, euh, son nouveau lui, cette nouvelle version, voilà, donc avec Trinity, et euh, si vous avez vu le 4, et eh bien en fait on comprend que c'est le couple sacré, voilà, Ah, je vous ai peut-être spoilé, j'en suis désolée, mais ça ne changera pas votre regard sur en tout cas, cette nouvelle réalité. Donc il y a cette transition de 10 épées c'est-à-dire je me relève après avoir compris que toute ma vie, j'ai été dans une forme de trahison, c'est-à-dire j'ai trahi mon potentiel, j'ai trahi mon mon comment dire, c'est c'est pas une perte de temps. Je pense que ça faisait partie aussi d'un contrat d'âme peut-être collectif, hein. euh, voilà. Alors moi j'ai des dates entre 60 euh, si vous avez 45 déjà. Euh... 31. Ouais. Il y a une période comme ça. Regardez bien, mais peut-être que oui, effectivement, là on vous dit, vous êtes déjà dans le nouveau cycle. Et il y a ce, ce côté, j'abandonne maintenant l'ancienne version de moi. Donc je me familiarise avec la nouvelle. Alors, on a l'idée avec le valet d'épée et on a le 8 de denier, roi de coupe, voyez une guérison, 9 de coupe, le pendu. Après une période... Euh, pff, où il a fallu libérer des croyances, libérer une, euh, une image de soi déprogrammée. Hein. Je, je vais appeler votre vidéo comme ça déprogrammation et euh, nouvelle version de vous. Ici, c'est un peu comme si là, il y avait euh, l'application au niveau mental euh, de cet équilibre. C'est-à-dire, voilà, au quotidien, en fait, c'est un peu être sur la brèche. C'est-à-dire que là, pour le coup, le valet d'épée, il est vraiment top pour vous. Parce que c'est un peu ce. Je vous la fais comme ça, je vous la joue euh, style théâtre. Hein. Ok, comment réagirait la nouvelle moi La nouvelle moi au quotidien, quand elle se lève, elle est plus en train de se plaindre, elle est en train de se dire waouh, c'est magnifique. Donc désormais, tous les matins, quand je me lève, wouh, euh, c'est bien, c'est cool, c'est magnifique et tout. En fait, il y a vraiment cette euh, fusée mentale euh, qui est mise au service plutôt d'une analyse pragmatique. Donc, en fait, vous allez utiliser votre cerveau pour dire, attends, 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 attend. si on est la nouvelle soi et qu'on n'est plus l'ancienne. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui va vous permettre justement d'avoir une approche pragmatique, une approche euh, euh, concrète dans l'application vraiment quotidienne. Il y a vraiment, euh, ah oui, c'est vrai que quand je fais la vaisselle désormais, imaginons, je vous donne un exemple, vous êtes célibataire et au lieu de dire... Bon, ben bah, quand est-ce que l'amour arrive Vous allez plutôt vous dire, ok, je suis aimée. Donc quand je fais la vaisselle, là je fais la vaisselle avec le smile, moi je l'avais fait comme exercice. Vous voyez, c'est un truc typiquement que j'ai euh, expliqué aussi dans le programme Glow Up. Euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est logique. C'est-à-dire qu'en fait, on va vibrer. Et si vous vibrez encore l'absence, le manque, eh bien, vous récolterez l'absence et le manque pour continuer dans la même catégorie de vibration. Et si vous vibrez la joie, la bonne humeur, vous allez attirer sur tous les plans et d'ailleurs euh, 8 de deniers deux fois vous dit que vous pourriez aussi euh, avoir des belles surprises, c'est-à-dire une amélioration moi, par exemple, il y a des personnes qui ont fait le globe pour le sentimental et qui m'ont dit bah, :« En fait, j'ai une promotion entre temps, <laughs> j'ai eu une augmentation. Voilà, c'est courant parce que vous élevez en vibration. Donc là, c'est l'application quotidienne, vraiment la mise au service de votre cerveau, plus pour vos angoisses, hein, mais vraiment en se disant :« Maintenant. » Je l'incarne par des petits détails. Vous voyez, le 8 de denier, ce sont des petits détails. Tiens, au lieu de là euh, me lever comme ça, ben, je vais faire une méditation tous les matins. Euh, par exemple, moi, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai fait des changements concrets en vue d'incarner cette personne n'avait plus à s'inquiéter de je ne sais quoi. Et en fait, euh, je, je vois aussi dans mon entourage, euh, des fois il y a un jour où je l'ai fait exprès. Alors j'ai appelé ma mère tous les jours, exprès, parce que je me suis dit bah je vais la reprogrammer. Donc euh, bon là je vais éviter de dire trop de détails parce que c'était du médical et on n'est absolument pas ni médecin, ni thérapeute, ni quoi que ce soit. Mais moi j'ai une approche holistique thérapeutique dans le sens où je me suis dit... Euh, si elle est guérie, de quoi on parle. Donc, des fois, je la corrigeais ou je la stoppais en disant Attends, attends. Euh... Et du coup, quand euh, tu es, euh, es guérie, imagine, tu es guérie, tu es guérie, tu guérie, de quoi tu me parles Tu comment Tu te sens comment Et je l'ai forcée, en fait, à la... je l'ai coachée avant même euh, de lancer ma chaîne YouTube. Hein. Mais euh, voilà, il y, y a des. Euh, en fonction, on va dire, de votre focus vous allez vibrer certaines choses, d'accord Moi, je suis là, en séance, à vous dire, attention, là, tu vibres ça, ok Donc, pour moi, il y a des réajustements, il y a des... Euh, j'ai le côté, en fait, j'ai du 11, j'ai du 8 j'ai le côté nouvelle vie et tout ce qui va avec, même des choses insoupçonnées. Donc, des changements nécessaires. Euh, la gratitude va vraiment, je pense... Attendez, je vais, euh, je vais faire... Euh, je vais demander au symbolon, mais je pense que c'est en vue d'avoir la vie adéquate ou l'entourage adéquat, le partenaire adéquat aussi, ou euh, que le, le, le partenaire puisse vous trouver... Euh, oui bon, on a la, la, le cancer, donc enfin le, le signe du cancer devrais-je dire pour être plus exact. Il y a cette aptitude à, à pouvoir se rassurer, se sécuriser soi-même, à prendre soin de ses émotions et chose magnifique, on a deux fois la même. Euh, bon là c'est euh, la lune, euh, mais je dirais il y a vraiment quelque chose comme si vous recolliez en vous écoutant vous. En devenant cette nouvelle vous, il y a une certitude, c'est que maintenant vous savez écouter les messages de votre âme qui vont être enfin comment dire, j'allais dire distribués, mais distillés par des petites choses que vous allez savoir capter. Parce que regardez, neuf de coupe, euh, roi de coupe, pardon, neuf de coupe, il y a cette atteinte de maturité émotionnelle, cette renaissance avec, euh, comme si vous recolliez avec le cœur, comme si vous aviez opéré une réconciliation avec votre âme, avec votre cœur, et surtout, avec votre, euh, comment dire, avec votre intuition, ça c'est sûr, mais aussi à savoir dire stop, ou euh, dans l'intelligence émotionnelle, c'est savoir cadrer. C'est-à-dire, non, là, ça ne me parle pas. La personne, elle, elle m'a donné un conseil, mais euh, mon cœur, il me dit euh, autre chose. Voyez, imaginons, euh, vous... Euh, vous demandez un conseil à quelqu'un. Moi, c'est toujours ce que je dis à mon petit frère. Je lui dis qu'est-ce que tu ressens Si je te dis oui, qu'est-ce que tu ressens Si je te dis non, qu'est-ce que tu ressens Et en fait, je lui ai dit le mieux. Moi, des fois, je le fais. Hein. Euh, donc, j'ai une pièce spéciale, voilà. Et en fait, je fais pile ou face. Donc, je conditionne. Voilà, pile, c'est oui, face, c'est non. Et quand ça tombe, j'écoute mon cœur. Ah merde, c'est ça en vrai. Non, bah ben non, alors j'ai ma réponse, vous voyez, donc euh, imaginons que quelqu'un vous dit, ah non, ça ne se fera pas, vous allez dire, mais quand bien même que si, ça va se faire, moi c'est ce que je fais, hein. des fois, euh, je suis tombée sur des voyantes qui m'ont dit, non, ça ne se fera jamais, j'ai fait, alors là, <laughs> elle ne me connaît pas, et il y en a une qui m'avait dit, euh, j'avais posé la question, la dernière fois que j'ai consulté euh, une médium, euh, c'était euh, pour mon appartement que j'occupe, et elle m'avait dit, non, ce sera, ça ne se fera pas. Ce n'est pas celui-là. Euh, mais ce sera quand même le même propriétaire. J'étais à, eh ok, bon, pourquoi pas. Et je me suis dit, euh, en fait, est-ce que c'est est -ce est une vérité dans laquelle j'aime à croire que je vais vivre Et j'ai décidé que non. Alors, il ne suffit pas que de décider que non, mais je me suis dit, non, non, euh, c'est moi qui ai raison. Et euh, je vais laisser un un petit message en lui disant ben bah, écoutez euh, je suis dans la où vous aviez prédit que je ne serais pas dedans voilà donc maintenant je sais à quoi m'en tenir à ma vérité de cœur et euh, bah, je vais éviter elle de la consulter donc autant vous dire que je vous donnerai pas les références ne comptez même pas sur moi parce que deux fois je l'ai consultée deux fois elle s'est plantée donc comme quoi hein, la voyance n'est pas une science exacte par contre on va voir maintenant au niveau énergétique. Je vais commencer par celui-ci. Allez, pour les amis du signe de la Vierge. Est-ce que vous coupez avec un, un système Alors, on a année en cours, acceptation de quelque chose, euh, de choses qui ne se sont peut-être pas encore faites. Et j'ai l'impression qu'on vous dit. Alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais. En fait, c'est en acceptant ta plus grosse peur, la peur d'être, euh, de ne pas être intéressante, intéressant, d'être oubliée, de passer à la trappe, que finalement, vous allez commencer à coller avec ça. Et que potentiellement, alors, réconciliation, nettoyage profond, pour moi, vous recollez avec quelque chose. Avant que ça se manifeste, par exemple, une réconciliation avec quelqu'un, c'est plutôt une réconciliation avec soi-même qui était nécessaire. Et on, on vous demande d'entériner. Donc, accepter à ah, dispute avec famille et proches. Ouais, moi, je sens que ça va clasher. C'est-à-dire que pour incarner vraiment la nouvelle version de vous, vous allez peut-être devoir persister. C'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être vous dire Non, mais attends, mais accepte que la personne t'ait oublié. Non! Vous avez le droit de pas accepter, je veux dire, euh, ou ça peut être un conflit interne, c'est-à-dire bah, entre accepter et persévérer. Comment je fais Vous Voyez, parce que derrière l'acceptation, il y a la notion de lâcher prise. Euh, derrière la persévérance, il y a la foi absolue. Et quand vous avez aucune preuve, voire même tout l'inverse, et je peux vous dire, j'en ai coaché qui avaient été bloqués sur WhatsApp par leur personne de cœur. Elles m'ont fait confiance. Aujourd'hui, elles sont avec, tous les soirs, quasiment. D'accord Si elles n'habitent pas encore avec, c'est parce il y a d'autres choses peut-être à expérimenter. Mais je peux vous dire que, euh, ici, la persistance, la persévérance, c'est de se faire euh, autorité à soi-même. Contre quoi ben, On va voir, parce que là, moi, je pense que c'est... Y a, y a voilà, pour certaines personnes... Ça va être votre ego. L'ego, il peut être parental. Il euh, y, y a trois egos en nous. C'est-à-dire qu'il y a trois formes de je suis. Je suis en fonction de ce que j'ai appris, de mon expérience, de mon modèle familial, de mon éducation, de la société. Donc ça, c'est l'ego qu'on va euh, diviser et qu'on va mettre dans l'ego parental. Hein, notamment, bah, t'es qu'une mère. Voilà, quand on se parle comme ça, ça peut, être, ça peut ressembler très fortement au discours d'un des parents par exemple ok ou euh, de ce que nous renvoient les réseaux sociaux donc euh, la société etc il euh, y a l'ego enfantin, l'ego enfantin qui va dire euh, dans, dans vos comportements, ça va surtout se montrer dans les comportements, euh, par exemple le besoin de se rassurer, le besoin de sucre, le besoin euh, de vérifier si ça va se produire parce que euh, l'avenir est, est flou ou bien, euh, bien voilà, il y, y a ce côté, euh, euh, j'ai besoin d'être chouchouté, d'être... Euh, voilà, donc on pourra avoir des dynamiques euh, relationnelles, je dirais même sentimentales. Euh, qui sont dans la codépendance. Euh, donc on veut changer ça, mais il faut déjà se parler moins mal, on va dire, avec l'ego parental là-haut qui va dire, eh, mais t'as vu, mais regarde, voilà, tu vois, t'es bête. T'y arrives pas, hein peut-être qu'elle a une vie de mais même pour toi, ça ressemblerait au discours de Tata. Que je vais éviter de donner des prénoms, mais euh, allez, Tati Daniel, qui va se faire un malin plaisir de nous rappeler que, ah ben, t'es encore célibataire à ton âge, moi de mon temps, euh, c'était vieille filande, euh, vas-y, euh, tais-toi, quoi. voyez Et puis, il y a tout ça dans votre cerveau, dans votre psyché, votre manière de conscientiser les choses, votre euh, champ de vision, votre vue de la vie, euh, votre carte du monde à vous voyez et là, vous êtes en train de déprogrammer. Donc oui, ça peut être juste. Si c'est à défaut, euh, que ce soit avec une personne concrète, physique et extérieure, qui va être un reflet de vous, ça va être en vous-même. Il euh, y a vraiment ce côté, euh, l'ancienne moi qui ne veut pas lâcher le steak. C'est l'ancienne moi. Alors, je vous le dis, euh, moi, j'avais carrément fait un... Alors là, j'ai fait un tatouage pour symboliser un truc euh, vraiment... Euh... Euh, un nouveau cycle et tout. Mais moi, j'avais fait une cérémonie des Oscars et euh, j'avais pris euh, un truc comme ça. J'étais à. <laughs> Merci, merci pour cette, ce rôle qui, vraiment, c'était un rôle très physique, très dur. Euh, D'ailleurs, je me suis même blessée en jouant ce rôle. Euh, voilà, et je remercie mes parents euh, sans qui euh, je ne serais pas là aujourd'hui ou j'en serais pas là aujourd'hui. Voilà, euh, dans un bon sens comme dans l'autre. Mais moi, je m'étais vraiment prise pour Sophie Marceau en disant merci, merci, merci. Et puis euh, en me disant maintenant quel rôle. Par exemple, si j'étais actrice, actrice, pardon, euh, quel rôle je voudrais jouer Et euh, je ne sais pas, j'ai un exemple en tête, mais Sophie Marceau, si vous avez les références, La Boum, elle a dû casser son image de petite fille euh, euh, parce qu'on l'a vue grandir. Enfin, moi, je m'en souviens, déjà, je la trouvais trop belle. Et euh, ensuite, elle a joué dans L'étudiante. Et l'étudiante, elle a cassé son image de... Jeune fille, on l'a vu dans, dans un simple appareil, on va dire. Voilà, donc euh, elle a cassé vraiment le côté enfance. Euh, D'ailleurs, Britney Spears, Miley Cyrus ont fait la même chose. Et euh, souvent, c'est ce côté entre deux. Maintenant, c'est je réfléchis comment euh, je me comporte. Euh, voilà, a... il ouais, y a un lien... <laughs> Alors... Ah, maintenant j'ai la chanson d'Aventura dans la tête, obsession. Ouais. Alors, il y a une rupture ou alors une, euh, une rupture, un temps à part, qui vous a obligé à vous recentrer sur vous parce qu'il y avait peut-être ce côté obsessionnel. C'est-à-dire que, oui, on vous dit, on, on, peut, on peut avoir beau vous dire, euh, oui, oui, c'est bien un lien très profond euh, qui, qui va durer. Il y a peut-être ce besoin de se rassurer. Alors, L'amour triomphe, j'ai envie de dire, si vous êtes disputés et en séparation. Là, il y a un feu qui passe au vert parce que vous avez mis ça derrière vous, un blocage karmique. Ouais, une relation houleuse, on voit les disputes, relation houleuse. Euh, je pense que l'un et l'autre aviez besoin de se centrer sur soi. D'où le temps à part pour certaines personnes qui ont été séparées. Euh, obsession, c'est le centrage, vous voyez Temps à part, on a l'amour. Euh, le, temps à, le temps à part c'était pour, euh, oui c'est centrage et contre Adam d'abandon en fait si vous êtes obsédé par l'autre vous n'êtes donc pas obsédé par vous même et malheureusement on va dire mais t'es narcissique tu penses qu'à toi, euh, non je fais passer mes besoins, besoins dans besoins, attendez j'ai pas mon ardois je vous le montre vite fait Ah euh, oh non je l'ai fait tomber alors n'était pas le moment Bougez pas, bougez pas, restez avec moi. Voilà, j'efface ce que précédemment au coaching tout à l'heure j'ai eu. J'ai noté. Voilà. Alors. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, besoin soit soin aussi. On pourrait... Euh, voilà ensuite et puis euh, be si on va extrapoler mais vraiment c'est Camilo Tracté, vous allez me dire mais c'est le verbe être en anglais par exemple c'est to be or not to be to be do <laughs> si vous avez la référence allez un petit message pour vous euh, je vais quand même regarder même si votre euh, voilà je voulais, euh, je voulais faire des, des guidances plus synthétiques mais là il y a beaucoup de choses à dire parce que vous aviez quand même trois lames majeures euh, donc, c'est la moindre des choses que je, je sois là pour cette grosse étape. Euh, parce que oui, il va y avoir, je pense, euh, des choses qui vont s'accélérer. Hein, pour certains, certaines d'entre vous, euh, il y a ce marquage très important. Comme une. Euh, bah, L'arcane, sans nom, le dit, c'est une mort symbolique. Et le 10 d'épée de deux fois, renaissance symbolique. Après avoir été euh, à terre, quoi. Vraiment. Hein. Allez. On va prendre le puits, la profondeur, la solution. Vous l'avez trouvé à l'intérieur de vous. Regardez encore ce 10, la récolte. Euh, par la recherche, vous avez pris le temps ouais, de couper vraiment avec un système euh, les schémas répétitifs et les masques que vous pouviez porter par convenance. Alors, l'enfant intérieur et les schémas répétitifs, ça, ça reste dans le paquet. D'accord il y a eu l'influence hein, aussi, les influences. Alors là, on a le jardin, la paix. Ouais, à la maison, à l'intérieur de vous. Après une période confuse. Et au niveau euh, sentimental, on a quoi Alors ici, métamorphose. Ah oui, on a quelqu'un du passé. Ouais, on a le cœur, la vitalité. Il y a eu un truc au niveau de la famille, au niveau des quolibets, commérages, en tant que... Euh... Ouais, comme mère. Alors, au niveau sentimental, il est aspecté de quoi Le hasard. Ouais, il y a des choses qui vont ressortir. Hein. Alors là, pour le coup, je veux savoir... Ouais, les fardeaux, c'était vos croyances. Pour moi, vous êtes en pleine métamorphose. En fait, donc il y a quelqu'un... Moi, je dirais même que vous êtes pas mal observés. Euh, bon, après, ça, c'est hein, des messages vraiment très, très spécifiques. Hein. Euh, mais euh, vous avez dû travailler sur le plus dur, c'est-à-dire vous-même. Euh, en termes d'ennemis, de, euh, parfois on est... Alors, je ne sais pas si vous avez vu hier. Alors, je vous dis ça. On est mardi 2 juillet. Hier, c'était le lancement de la saison 12 de Nuit et culotté. Le sujet, c'était... Euh, d'aller dans le Morvan chanter une berceuse au grand méchant loup. Et justement, les gens parlaient de leur grand méchant loup à eux. Et là, j'ai l'impression que euh, vous pacifiez votre ennemi intérieur, hein, vos croyances, votre conditionnement. Euh, alors, le silence. Oui, alors, si, par exemple... Voilà, le temps des récoltes, ne dites pas ce que vous comptez faire, c'est le meilleur moyen pour ne plus être parasité, d'accord Ni par vos pensées. Alors, vous, vous allez vous rassurer. Euh, je dirais aussi que il peut y avoir une situation de silence avec quelqu'un, ou ça peut être avec les personnes, les détracteurs qui auraient quelque chose à dire par rapport à vos projets. Votre autre... Alors, partagez ma vie avec toi, ok. J'ai trouvé que le message était, je vous laisse le lire, euh, faites pause hein, sur la vidéo, on va avancer. Euh, J'ai trouvé qu'elle était tombée un petit peu rapidement. Allez, pour les amis du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît Message de la personne de votre cœur, si vous en avez une en face. Alors, déjà, on a Tu me manques, ok. Euh, la carte qui est tombée. Je ne suis pas encore prête, prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Ça peut être vous qui ressentez ça, d'accord Vous faites le distinguo entre vous, l'autre. Après, vous pouvez transmettre. Hein. J'ai fait euh, d'ailleurs des prestations exprès parce que les liens d'âme ou les liens miroirs, euh, voilà, il faut savoir faire la part des choses, quelle énergie j'envoie, euh, qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que la personne va, euh, voilà, comment je peux réajuster, donc, au besoin, je suis là pour ça, je vous souhaite tout le meilleur, amis euh, du signe de la Vierge, j'espère que cette guidance vous a, vous a plu, vous aura aidé, et on se retrouve bien sûr, jeudi, pour la nouvelle lune, euh, même avant, je pense, hein, je vais essayer de la sortir avant, euh, parce que la nouvelle lune, c'est vendredi, et euh, je voudrais la sortir la veille voilà pour être vraiment dedans et capter les messages. Donc on se retrouvera dès cette semaine pour la guidance de la nouvelle lune de juillet et bien sûr les messages hebdomadaires dès les euh, dimanches, donc tous les dimanches. Voilà, et je vous mets tous les liens dont vous avez besoin, si vous avez envie de compléter, en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite tout le meilleur pour le mois de juillet et on se retrouve très très vite. Bye bye